pour empêcher du monde faire yon moun nan Bible. En parmi la dan, depuis 4-5 balades, comment yon moun nan Bible peut approcher, li mette l'article journal. Comment reste 4-5 balades, depuis 4-5 balades de cela, comment reste une semaine ou soit une semaine yon moun nan Bible. Il y a quelque chose de client. Un moufti, ça, vous ne pouvez pas parler de moufti là, vous ne pouvez pas parler de moufti là. Il y a quelque chose de client. Alors, l'imbizel est dans l'article journal concernant un moufti là. Alors, c'est un mounafik ça. Qui fait pour jouer un mounafik ça? Parce que nous, nous devons nous faire un mounafik, nous gérer ouvertement, nous faire, mais quoi faire? Et qu'il y a un qui pas fait, et qu'il dit aux francs qui pas fait, il pas gagné droit. Ça n'a là, ni les gens pas gagné droit, ni les gens qui gagné droit, ils sont au milieu, s'il pas gagné, sont les chiffres. C'est un petit monde qui pas gagné, sont les chiffres. S'il pas chiffres, les gars sont. S'il est au milieu, là, il n'y a pas bon. Les mouftis là, ils sont au milieu. Les mouftis là, ils sont au milieu. Zamel, ils donnent. Cette définition claire. Vous savez quoi, les bonnes malades, les malades. Les malades. Alors, les créer ça que l'année, commencement, je commence à écrire, les dire les 12 Rabioul Awal, dans le Karim, pas de connaissance, les 12 Rabioul Awal, selon un mathématicien. Moufti, un mathématicien. Moufti, un mathématicien. Les dire selon un mathématicien. Les prophètes viennent prendre naissance, les neuf rabbis ou la Mouftin qui tafsir le Coran, Moufti viennent qui ben kitab de Sira, Moufti viennent qui hadith, Moufti viennent qui tout sujet qui concerne dit, il regarde des mathématiques là, il trouve mathématicien qui est autant qui ben salaf. Il y a des neuf. On lit ça, on a envoyé une mail. Sa rédacteur en chef de sa journal, n'a rien dit, qui ne va pas d'accord avec cet article-là. L'année prochaine, avant d'y avoir sur l'article, mon fils a fait mon article. Vous connaissez pas mon article-là. Vous n'avez pas mon article avant. Mon fils a fait mon article complet, qui a mon avis, avec par référence, les 12 rabbis ou la voile. L'année après, les mines ont un petit sens sur l'article-là, ce n'est pas cause de date du tout. Il n'est pas une cause de date du tout. Il est une cause qui est un nabi, la vie du prophète, disant ça, ça, ça. Il n'est pas une cause de date. Ça, l'année là, il revient encore. Ça, l'année, pourquoi il y a un malade? Il y a un malade dans le corps. Il y a un nabi venu et la petite chose, Shaitan manifesté sur la peine. C'est moi, ce mounafika, essayer de cacher toute chose. Il n'est pas mis franc. Moi, je suis mis franc. Moufdi, là, vous avez mis franc. Si vraiment il est moufti, les gens ils font, à nous autres, ils vont ouvrir un journal pour mettre pour même leur article en gros. Pour ouvrir un journal pour mettre pour même leur article en gros. L'histoire est racontée par le Coran dans les sourates, dans la sourate éléphant. Dans son livre Al-Taqir, Ibn Jawzi mentionne qu'il y a quatre dates possibles pour la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'insiste dit un seul alim, selon Ibn Jawzi. T'as pas mouf qui l'a connu un seul alim de la vie? Je ne pose pas question. Avec un seul alim ou une moufdé? Mais ça, qu'est-ce que tu moufdé ça? Non. Du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième Rabiul Awwal, le huitième Rabiul Awwal, le neuvième Rabiul Awwal et le douzième Rabiul Awwal. Il me dit ce qu'il nous dit, c'est bien. Et c'est terminé. Il me met du monde de confusion. Moufti met du monde de confusion. Moufti va venir avec des choses claires et dire, basées au prêt, solide. Il n'est pas venu vous cacher quand il met l'ordre. Il y a du monde en confusion. Quoique le 12e Rabiul Awwal reste le plus largement accepté, à Saint-Lizien, le 12e Rabiul Awwal, il reste le plus largement accepté. Cependant, les ulama ayant une bonne connaissance du
ont préféré le 12 Rabiul Awwal comme la date plus probable de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Diaw Ibn Jawzi, il dit à quatre dates probables. Quatre dates probables. Et Diaw, malheureusement, le logement vient d'accepter le 12 Rabiul Awwal. Après, il y a un autre, pourquoi acheter mal au lama, les oulama, sans qu'il ne nous soit mal au lama là, sans qu'il finisse ce nom et qu'il donne quoi qu'il finisse à dire ça, Mufti dit à y avoir une bonne connaissance du sujet, on préférait le 12 Rabiul Awwal. Et quand vous avez les oulama, les gens vont faire quoi qu'il m'a dit, on est d'accord, les 12, les 9 Rabiul Awwal, nous sommes dans le Jamal, où y'a nous faire y'a un ami, les 12 Rabiul Awwal, les 12 Rabiul Awwal. L'équipe à l'aide de les 9. 5 bananes avant, je vais être mathématicien qui tient les 9. 5 bananes après, il vient les oulama, et dit les 9. Alors, qui s'en a quoi, c'est là? C'est que tu dis que 5 bananes avant, là, ou c'est que 5 bananes après, là? 5 bananes avant, tu dis mathématicien, tu dis les 9. 5 bananes après, tu dis les oulama, tu dis les 9. Les 9, c'est un très minime historien qui cite les 9. Le 2, le 8, très minime, 1 ou 2, finissent sa mandata. Mais majorité, man, ulama, prendre les man, salaf, viniska, nous les beaux, surtout fin accepter les 12 Rabbi ou l'Awwal comme jour milad de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On me l'explique tout à l'heure, quand on a un problème avec quelque chose, vous ne pas vous-même. Mais il y a le problème qui est mon ami, il va vous dire la police. Et c'est lui qui vous dit pour vous dire la table à vous. Donc pour lui, le 9 Rabiul Awwal, c'est qui correspond au 22 avril de l'an 571 du calendrier grégorien. Maintenant, nous sommes comme Dieu les 12 Rabiul Awwal. Tapi cuma fikir, lebih bahasa itu hasil dari Ibnu Jauzi. Apa yang cuma les ulama fin fin kuat dans le neuf Rabiul Awwal les ulama. Mais les ulama là, ils parlent de nom, ils parlent de livre, ils parlent de l'année, ils parlent de nom. On va dire qu'est-ce que Mufti ça peut faire l'examen ça? Où il fait l'article pénal, référence pénale en rien, qui me pourra au moins pas vous dire 5 bananes avant tu mathématicien, je vous dis après 5 bananes mille ou la main. Donc vous êtes pour un mufti la main. Alors laisse-nous bien écouter un grand grand ou la main dans tous les beaux, qui va trouver la main de référence, qui va nous dire qu'il va bien accepter. Parmi nous gagne Ibn Ishaq. Sa Al-Jawzi qui nous mette sur la gazette là. Get Samuel Al-Jawzi qui me dit à ce terme. Dans Al-Wafa bi Ahwari Mustafa. Page 87. Il dit Vulida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Yawm al-Ithnain al-Thani Ashara min Shahri Rabi'i al-Awwal. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fit connaissance le 12 Rabiul Awwal est un lundi. C'est qui dit ça? Ibn al-Jawzi dans le livre Al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa page 87. Ça nous met une référence là. Pas qui écrit les ulama fin dia que bien non, non. La même Ibn al-Jawzi fin dia kadda, mais Ibn al-Jawzi il peut dire majorité fin d'accord le 12 Rabiul Awwal. Ça n'a pas de crier une cachette. Soit il ne connaît, soit il peut tricher. Deuxième, Al-Lama Ibn Hisham. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, finit sa wafat l'année 151 d'Hijri. 151 d'Hijri. Ibn Hisham, finit sa wafat l'année 213 d'Hijri. Dans le livre Sirakun Nabawiya, volume 1, page 158. Lui aussi me cite pareil. Vous lisez à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Yawm al-Ithnain al-Thani ashara min Shahri Rabiul Awwal. Il me cite pareil.
des jeunes là. Mufti Sahab, ils attendaient des jeunes là. Et il y a les 12 ans plus là où elle. Ça veut dire ce qu'il nous fait là. Et la vérité, nous qui avons raison là, t'as bien Jamal qui a raison. Si elle a raison, alors le dernier point d'appel à venir sur référence. Moi, quand je suis en train, je suis sorti, je suis toujours dit quand tu as quelque chose dans l'île, base de causer les références solides. Je suis dit ça, quand je suis sorti, je ne suis pas dit ça. Parce que je ne connais pas le nom, je ne suis pas connu. Ibn Jarir al-Tabari, un grand historien, un grand alim, il dit qu'il y a eu 310 Hijri. Alors, lui, il dit dans le livre Tarikh al-Umam wal-Muluk, volume 2, page 125. Lui aussi, il dit même quelque chose qu'il pouvait citer à chaque fois en arabe, même affaire, il dit que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui parlait sans Zoulindi, les 12 Rabioulawal. Trois films cités là. Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Ibn Jarir al-Tabari. Lundi, les 12 rabbis ou le wal. Vous dites ça, pas retrouvé. Ouais, il y a du monde dans la confusion. Allama Abu al-Hassan Ali bin Muhammad al-Mawardi. Qui finit à son affaire dans les 480 Hijri. L'héritier dans le livre et à la mon nubuwa. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوما من الفيل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم fit connaissance 50 jours avant événement de fil, événement l'éléphant. وبعد موت أبيه, il fit connaissance après la mort de son papa. في يوم الاثنين ذو الحجة الثاني عشر من شهر ربيع الأول. Il se dit, Dieu sera plus là pour le même temps. Soit Banna Kouyon, Moufti Sahab Malin. Soit Moufti Kouyon, Banna Malin. Moi, je tout ça là, pas capable Kouyon. Tout ça là, Malin, Moufti Kouyon. Dans le plus devant, Hafiz Abul Fata, Al-Om de l'Essie. Lili Figasofa dans les 754 Hijri, lui aussi j'ai même affaire, qui nous rassoule sur Allah wa alayhi wa sallam, il fait connaissance, Yamul Isnaï, Asani Ashara, Mincha et Rabbi Al-Awwal. Sixième, Ibn Khaldun, un grand historien. Ibn Khaldun, un grand historien, qui fait écrire Tariq Ibn Khaldun, volume 2, page 394, il fait Figasofa dans les 808 Hijri. Il dit dans le livre ثم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. Nabi Karim صلى الله عليه وسلم fit connaissance l'année fil l'ithne achar, il fit connaissance le 12 ليلة خلت ربيع الأول, il fit connaissance le 12 ربيع الأول de l'année du 12 ربيع الأول. Nabi Karim صلى الله عليه وسلم fit connaissance. Et qu'il y a plusieurs ulama en Bo, et parmi en Bo, Al-Kastalani, l'Iligia, il fait une analyse tout bon événement, et il fait une analyse tout bon livre qui va être ulama fait écrire le date de naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'état qui arrive le sa conclusion, l'Iligia ou Al-Mashour, Annahu, Wulida Yawm al-Ithnay. Al-Mashour, Annahu, Wulida Yawm al-Ithnay. Il n'a bien carré, c'est le nom de Mashkour. C'est qu'il finit accepté par la majorité de l'ulama. L'ulama est un imam mujtahid, un muhaddith, un mufassir, un grand grand savant. Il est Mashkour. Il est très connu par l'ulama. Il a fini accepté ça. Il n'a pas voulu d'ailleurs par l'isnaïm. Il n'a bien carré, il prend naissance où? Lundi. Thani Asha. Douzième, l'inchat de Rabbi al-Awwal. Dans Rabbi al-Awwal, douzième Rabbi al-Awwal. Allama ibn Kathir, Al-Bidaya wa al-Nihaya,
volume 1, page 189. Lui aussi, il y a pareil. Où il y a Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, amal fil, yom al-ithnay, al-thani achar, min shahri rabi al-awwal. Même si après, c'est comme j'explique quoi, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fil de connaissance, lundi, le 12 rabi al-awwal. Et ensuite, Ibn Kathir continue à dire, wa hada huwa al-mashhur, inda al-jumhuri, wallahu a'lam. Et ça même qui fit plus accepter parmi la majorité des ulama dans tous les pots. Quand il y a un sahaba, Vince Kazoji, je tout vient accepter les 12 Rabbiul Awal. Comme date naissance de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Le côté mufti, chaque fois, chaque année, quand il y a un nabi venu, il y a un nabi dans un musulman de confusion qui date, qui se fait un nabi là, bravo. Mais Moufti, je pensais, il est malais. Moufti, pas malais. Moufti, mais on se vous cachait de lui. Il n'est pas connu la plus malais que lui. Parmi Sunnat Jamal. Et tout ça va dans l'animal là. Tout film d'accord. C'est qu'il va faire une note, c'est qu'il y a encore beaucoup. Qui se tout film d'accord le 12 Rabbi ou l'Awwal. L'état tout mal au Lama dans le monde et dans tous les copines acceptés, les 12 Rabbi ou l'Awwal, comme date naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors environ 57 pays qui nous posent depuis que ça date là. 57 pays qui nous posent depuis les 12 Rabbi ou l'Awwal, 57 gouvernements couillons, mouftis malins.